Coucou, c'est Caramella, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous aujourd'hui pour un petit haul action. Vous allez voir, ça va aller très vite, j'ai pas trouvé énormément de choses, mais normalement je devrais y retourner la semaine prochaine parce que mon mari m'a demandé quelques petits produits d'entretien pour le lave-vaisselle, donc ce sera à suivre. En premier, vous avez déjà vu ça sur ma chaîne, alors j'ai retiré le petit carton. J'ai acheté un troisième petit cale-tête, vous savez, on met ça derrière, tac, comme ça. C'est pour la maison en fait, j'en ai un dans chaque voiture parce que moi je ne peux pas m'en passer, je suis obligée de rouler quand je fais des longs trajets, je ne peux pas prendre le volant, je suis obligée de rouler allongée avec ça qui me cale la nuque si je ne veux pas trop souffrir, même si ça ne m'empêche pas de souffrir. Et donc j'ai pris ça à la maison. Pour la maison, pour mon mari qui souffre énormément des cervicales également suite à un accident de voiture qui n'était pas de sa faute, entre guillemets, très important. Et le soir, que d'être directement appuyé sur la nuque qui lui provoque des migraines, il met ça derrière sa tête et ça le soulage. Et j'ai payé ça, le coussin, 2,59€. Voilà. Il y avait rose comme ça, j'ai pas eu le choix de la couleur, mais bon, on s'en fout, hein, franchement. Il y avait rose, ou alors avec des smileys, mais bon, j'ai pas pris. Et je l'ai déjà recousu, parce que Pépère était décousu. Voilà. Ensuite, encore ma sœurette. Ma sœur a acheté à mon petit Minus, pour son Noël, un doudou, une niche, quoi, hyper confortable. Hein, mon petit Minus. Ouf, son dodo. Voilà, de la marque Rune Pet Belle. Il fait 58 sur 10 cm, 100% polyester. Et regardez comme il est beau. Il est gros, hyper molletonné. Je l'ai mis dans la chambre hier soir. Et il a fait son gros dodo là-dessus. Il en a à côté de moi un peu pareil pour la salle à manger, parce qu'il en avait qu'un, et à chaque fois on était obligé de transvaser les doudous. Et là, ma soeur m'a dit, eh ben je lui en prends un. Et je crois qu'elle a payé ça. Elle a payé ça, je ne sais plus. Je crois que c'est... je sais plus si c'est 3, bah oui, c'est pas sur mon ticket, puis c'est elle qui a payé. 3,99, non 4,99 il me semble. Oui, 4,99, quelque chose comme ça. Et mon Nunus est ravi et il te fait une grosse patoune, un gros léchouillou. Tata Audrey. Voilà. Et encore merci pour lui, il l'adore. D'ailleurs, il l'adore plus que le mien. Ça, je suis jalouse. Ensuite, j'ai acheté en alimentation. J'ai repris mes graines de tournesol salées. Oh, j'adore ça, j'aurais pas dû en prendre. De la marque Artesanuts. Voilà. Il y a 150 grammes. J'adore ça. Surtout, c'est le sel, moi. C'est pas bien, hein, c'est pas bien. Graines de tournesol, j'ai payé ça 79 centimes. Franchement, c'est pas cher. En supermarché, ça vaut la peau des fesses. Et j'ai pris, c'est pas bien non plus, des cacahuètes, des peanuts de la marque Napas, traditionnel Nuts and Nuts, 200 g de cacahuètes enrobées épicées. Voilà. Alors, je sais pas si elles sont bonnes. Alors, je les avais reposées puis je les ai reprises parce que épicées. Épicées, c'est-à-dire beaucoup, pas beaucoup. Alors, moi, quand c'est plein épicé, j'aime pas. Donc, je me dis, écoute, tu vas goûter. J'ai payé ça, Coconut Care Baumelève, non. J'ai payé ça 99 centimes. Voilà, je vais goûter ma foi. J'espère que c'est pas trop épicé, mais pour le prix, ça me donnait envie. Ensuite, j'ai acheté de la marque Care Nercare, de l'acétone. Du dissolvant, du nail polish, voilà, un petit bocal de 75 millilitres, vous mettez le doigt, vous connaissez, vous tournez, et j'ai payé ça, c'est la première fois que je le prends chez Action, d'habitude je le prends chez Lidl, je ne l'ai pas pris encore, j'ai jamais testé, je le prends toujours chez Leclerc, de la marque Repère, il est à 2,49€ et il est très bien, mais je l'ai fini. Et donc, j'ai payé ça
Dissolvant ongles, 75 ml, 89 centimes. Il est tout petit, mais bon, c'est largement suffisant, 89 centimes. Je vais essayer, on verra bien. J'adore ça, je préfère ça que le coton. Ensuite, j'ai repris mes baumes préférés à la noix de coco. Voilà, par l'eau de deux, j'en avais plus. Et bien, j'ai payé les deux petits baumes à lèvres. 84 centimes, voilà, je les aime bien et mon mari en use et en abuse, mais il a bien raison. Ensuite, j'ai repris des masques 59 centimes pièce, vous savez, j'ai repris tout ça, j'ai pratiquement vidé le rayon. Il venait de les remettre, j'ai pris la moitié du rayon en fait. J'ai repris donc les fameux, donc je vous ai dit que c'était 59 centimes le masque. J'ai pris les fameux masques visage, donc là c'est avocat, voilà, vous les connaissez, donc je vais vite. Extrait d'avocat et de collagène, ça aide à minimiser la formation des fines ridules. Je pense qu'elles sont déjà installées, tant pis, je les adore, j'en ai essayé un, bah d'ailleurs, c'en est un comme ça que j'ai mis, j'ai adoré. Non mais franchement, je préfère ça que les masques crème et tout maintenant. Mais bon, j'en ai plein des masques crème, je vais les utiliser. Mais ça c'est génial. Franchement c'est génial, je vous les conseille si vous avez la chance d'en trouver. Donc j'en ai pris trois comme ça. J'en ai pris un à l'extrait de rose et de vitamine C. Ça permet d'améliorer l'éclat naturel de la peau. 59 centimes. Voilà, j'en ai pris qu'un comme ça. Et j'ai pris tout cela. C'était les derniers. Je les adore. Voilà, j'en ai pris 4. Les 4 seuls qu'il y avait. Je vous en montre qu'un. À l'huile d'amande et vitamine E. Ça hydrate la peau. Et a des propriétés nourrissantes. Parce que ma soeur m'a dit que j'avais la peau hyper déshydratée. Alors j'ai dit, bah je comprends pas. Je mets énormément de crème bien riche. Elle dit oui, ça la nourrit. Mais ça l'hydrate pas. Donc j'ai repris des masques comme ça, 59 centimes, j'en ai repris 4 et je suis heureuse de ma petite de mon petit stock. J'ai trouvé chez Action donc un espèce de cartable à soufflet comme ça pour mes papiers, parce que j'en ai un mais il a craqué ici, donc il s'est ouvert en deux, c'est génial. Donc vous connaissez je pense, hein. Voilà, hop, je vais retirer le carton, comme ceci, il est très très grand, je l'ai pris couleur gris chiné comme ça, mais bon ça je m'en moquais, et j'ai payé ça pas cher du tout, la valise de rangement avec poignée, 3,99€, franchement c'est pas cher, parce que à Leclerc, Jean Casino, tout ça, les miennes, je les avais payées pas loin de 10€. Hein. Ouais, ouais, ouais. Et là, 3,99€. Si j'en ai besoin d'une autre, j'y retournerai. Je vous conseille de les prendre là-bas. Si vous avez la chance d'avoir un Action. Voilà. Et bien, ce petit haul Action est terminé. J'espère que la vidéo vous a plu. Mon petit Minus vous fait un câlin. Il est à côté de moi. Il fait dodo. Pour l'instant, je tousse de la peau de singe. Mais il va beaucoup mieux. Hein, mon bébé. Oui. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, et puis à vous abonner si vous voulez participer au futur concours des 2000 abonnés qui va pas tarder d'ici quelques semaines peut-être. Voilà, tout dépend des abonnements. Le concours spécial bijoux que je suis en train d'acheter sur AliExpress. Voilà, et bien je vous fais de gros câlins et je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Bisous mes chatons.